Donc, c'est un concept permettant donc de concevoir et de tester une méthodologie, une façon donc de pouvoir, je dirais, stimuler la consommation de produits agricoles guadeloupéens de qualité, certifiés, labellisés et tracés. L'idée, c'était de mettre en avant la commercialisation, qui est pour moi le maillon essentiel, parce que c'est ce dispositif qui permet, je dirais, d'assurer cette continuité sur cette notion donc, de pratique agroécologique innovante que nous mettons en place, même moi aujourd'hui sur ma certification HVE. Et c'est ce qui permet, en finalité, de sécuriser mon revenu. Je peux parler aujourd'hui d'autonomie de mon exploitation. Je fabrique moi-même mon lombricompost. Donc, c'est à partir du lombricompost que je construis toute ma base. À côté de ça, j'alimente, ben, comme vous voyez, au pied des bananiers, il y a du fumier. Donc, il y a un vrai équilibre qui se fait en fonction des besoins de la plante. Et l'idée, c'est pas d'ensemencer le sol, mais c'est de pouvoir les maintenir. Et c'est là toute la technologie, elle est. C'est là où les innovations doivent être intéressantes. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive à maintenir ces micro-organismes dans le sol. Alors actuellement, je suis au stade initial. Donc j'ai constitué une équipe autour de moi, à travers donc mon réseau professionnel, mes partenaires, et tester l'idée aussi auprès de mes clients réguliers à travers l'achat des paniers à la ferme, à travers donc l'ensemble donc des petits commerces que j'alimente, à travers des restaurateurs qui achètent ces produits pour vraiment créer cette conscience. L'avenir, en fin de compte, de l'agriculture passe aussi par ces éléments, cette notion de transmission, cette notion de préservation, pour moi, sont des éléments essentiels. À travers Transact Innov et le concours à Green Startup, pour moi, c'est une vraie construction collective de la vie en société. Et j'irai peut-être même plus loin en disant, à travers ce concours, Transact Innov doit me permettre de me prendre en main.